Nous sommes des gens modernes, nous sommes des robots. C'est-à-dire, nous n'avons plus de sentiments. Nous sommes des robots comme des machines. C'est, j'ai le cœur qui taille la zone. Hey. Affronter sa solitude et l'accepter, c'est comprendre le sens profond ainsi que la raison de la mort au fond. Regarder sa propre fin, s'accorder le pardon. Plonger dans les ténèbres pour trouver en soi la lumière et se retrouver pour mieux s'oublier. Pour toujours à jamais. J'ai le cœur qui taille la zone. Chaque mot, chaque son, est chargé d'émotions. De leur expression, de l'expérience, de la réflexion sur notre existence. De l'illumination à la dépression. Les mots libèrent de leur pression, de l'oppression. Notre perception du monde ne se partage qu'à travers la verbalisation. La vulgarisation de notre complexe manque de simplicité. Des mots et des idées pour relativiser, synthétiser, résumer notre mal de vivre au travers de mots. L'art de rêver nous livre, au monde nous délivre. Le poids de toute une vie sur le dos de quelques mots. L'écrasant fardeau disparaît avec le flot. Lyrique, satirique, cynique, poétique, magique d'un discours qui rend léger ce qui paraît lourd, qui fait entendre même ceux qui sont sourds. Qu'on soit contre ou pour, on attend notre tour. Avec ce qu'on se dit, on aimerait sans pouvoir laisser parler nos cœurs. Vous faire voir, ressentir et cultiver l'espoir. Et cultiver l'espoir. Affronter sa solitude et l'accepter, c'est comprendre le sens profond ainsi que la raison de la mort au fond. Regarder sa propre fin, s'accorder le pardon. Plonger dans les ténèbres, trouver en soi la lumière et se retrouver pour mieux s'oublier. Pour toujours à jamais, pour toujours à jamais, pour toujours à jamais. Tant de choses à exprimer, autant que ma plume ne pourra laisser couler de mes silences. Mon seul ami, mon cahier, ma transe, mon dernier recours, mon dernier cri de joie et de tristesse à la fois. De n'être rien et tout en même temps, en un mot insignifiant en soi. Insignifiant, être inutile, ouais en soi. La vie n'était pas futile, sans imagination fertile. Sans peur de mourir, sans souffrir, cela n'est certil pas à rien. Tout s'en va, qu'est-ce qui vient, sans cesse revient. N'est-ce pas malsain de ne plus savoir se parler, de rester là sans rien dire, par honte de vouloir anéantir tout souvenir, souvenir, souvenir. Affronter sa solitude et l'accepter, c'est comprendre le sens profond ainsi que la raison de la mort au fond. Regarder sa propre fin, s'accorder le pardon. Plonger dans les ténèbres pour trouver en soi la lumière et se retrouver pour mieux s'oublier. Pour toujours à jamais, pour toujours à jamais, pour toujours à jamais. Les joies, Kezako. Tu as besoin d'être aimé. Vous n'aimez personne, vous ? Je hais les gens, je hais tout le monde. Mais n'oubliez pas que la technologie de pointe n'attend pas les retardataires. Et voilà, je vous avais prévenu. 3, 4. Télé-joie-joie, la joie pour toi. Télé-joie-joie, la joie pour toi. C'est maintenant terminé. Nous espérons que cette vidéo d'initiation à la musique sur ordinateur vous aura été profitable. Et nous vous donnons rendez-vous dans un prochain volume qui, cette fois, traitera de techniques plus avancées.